Bonjour, vous êtes sur la télévision de la subconscience, sur Internet, sur YouTube, sur Google+. Nous sommes le samedi 14 janvier 2015 et il est un peu moins de midi. Et je voudrais vous parler en ce week-end de quelques sujets qui me tiennent à cœur. Qui traite justement, d'une manière ou d'une autre, de la subconscience. Je dirais par exemple, pour illustrer la subconscience, que la langue maternelle est une forme de subconscience. À la différence des langues que nous apprenons par la suite, c'est quelque chose que nous avons quasiment en nous, qui sort de nous, et dont généralement d'ailleurs nous n'avons pas une bonne maîtrise étymologique, nous avons appris comme cela, sur le tas. Alors que pour les langues que nous aurons appris par ailleurs, les langues étrangères, nous avons quelque chose de plus conscient, nous les maîtrisons, nous les parlons de manière plus consciente, moins bien mais plus consciente. Ce n'est pas le sujet de cette matinée. Je vais vous parler, puisque je vais à parapsie et que je me prête à un certain nombre de consultations, plus ou moins comme ça impromptues, comme les dernières d'ailleurs. Et je dois reconnaître que dans bien des cas, ça fait problème d'interroger un voyant ou un médium parce que, tout simplement, ça montre un manque d'autosuffisance. Alors, c'est bien de prier, c'est bien de demander de l'aide, mais c'est bien aussi d'être autonome et de faire les choses comme on doit les faire. Et souvent, quand les gens essaient de deviner quelque chose, c'est parce qu'ils ne prennent pas la peine de se renseigner, ils ne prennent pas la peine de poser des questions, et donc par conséquent, ils sont un peu extérieurs à ce qui se passe autour d'eux, et ils recourent soit eux-mêmes à une forme de divination par les tarots, par les wikis, etc., soit en passant par un praticien attitré, plus ou moins attitré. Mais d'une façon générale, c'est toujours significatif d'une difficulté à apprendre les choses, à prendre connaissance des choses par soi-même, à se renseigner, et on en arrive à... Moi, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple un peu fou. Quelqu'un reçoit une lettre, ou alors que quelqu'un doit téléphoner à une personne pour lui demander quelque chose, ça lui pèse de le faire, il regarde les cartes pour savoir ce que cette personne aurait pu lui dire. Vous comprenez? Bon, ça devient complètement fou. Alors donc, ça joue sur nos névroses, ça joue sur nos difficultés, n'est-ce pas? Le fait de ne pas aimer toucher certains sujets, aborder certains sujets, prendre contact avec certaines personnes, conduit à des contournements, à des contorsions qui débouchent effectivement sur les arts divinatoires et sur les devins. Et le mot devin renvoie quelque part à devinette et... Vous savez que parfois on dit, écoutez, moi je n'aime pas les devinettes. Ça veut dire qu'effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une devinette? C'est assez paradoxal. Une devinette, c'est aussi quelque chose que l'on est obligé de deviner parce que on ne sait pas aller directement se renseigner. C'est pas... Là encore, on est dans un détour. C'est aussi parce que c'est souvent le résultat d'un manque, d'une carence. Par exemple, l'astrologie, si elle était capable de nous informer correctement, on n'aurait pas besoin de passer par toutes sortes de voyances. Bon. Ça ne veut pas dire que pour autant que ces gens-là ne veulent pas nous aider. Bien sûr qu'ils veulent nous aider, mais ils le font avec des moyens... détournés, contournés, ils interprètent avec plus ou moins de bonheur certaines informations qu'ils peuvent recevoir, de notre part, mais aussi bon, de la part
de ce, des supports dont ils se servent, et ça peut dévier considérablement, ça peut dériver considérablement. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, l'autre jour, je posais une question, parce que moi-même, parfois, je suis pris par ce genre de problème, c'est pour ça que je sais ce que ça veut dire, que de ne pas vouloir se renseigner, ou de ne pas faire tout ce qu'il faut pour savoir ce qu'il en est, et de prendre des biais, etc. Bon, effectivement, c'est humain. Bon, c'est humain. Mais ça peut aller très loin, n'est-ce pas, vous comprenez, si on prend l'habitude de ne pas se renseigner directement, de ne pas questionner directement, et d'interroger derrière le dos des gens. Ça, c'est intéressant, parce que les populations qui, justement, sont un petit peu brimées, et je pense notamment aux femmes, qui souvent sont mises un peu en marge, etc., ou qu'on n'écoute pas, ou auxquelles on ne répond pas, ou auxquelles on cache des choses, eh bien, elles veulent savoir quand même ce qu'il en est, et donc elles vont utiliser des pratiques et des praticiens pour compenser cette situation où elles ne sont pas correctement informées. Il y a là un rapport direct entre divination et information. Plus l'information est défectueuse, plus la divination va prendre de la place, d'autant plus que si l'information est défectueuse, elle ne sera pas en mesure d'affirmer la divination, ou pas tout de suite, ou pas de façon évidente. Voyez-vous ? Et d'une manière générale, d'ailleurs, l'astrologie profite de ça aussi, mais c'est-à-dire plus, moins on sait s'informer. Il y a des gens qui ne savent pas s'informer, qui ne savent pas se renseigner, qui ont la flemme de se renseigner, qui ont la flemme de collecter des informations, et qui, donc, je prends le cas classique d'un Didier Gélin, par exemple, pas dans sa consultation, parce que la consultation, c'est un lieu tout à fait particulier, où on a en face de soi la personne dont on parle, donc on n'a pas ce phénomène de devinette qui consiste à parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou qui a même s'il a vécu il y a très longtemps, on n'a pas... on n'a pas accès aux informations, ou on ne veut pas accès aux informations, on est dans la devinette, même si c'est des informations qui existent. Elles existent, mais on n'a pas le temps, envie de les collecter. Donc on fait sans. Donc on est donc dans l'absence d'informations. Donc chaque fois qu'on est en absence d'informations, que ce soit, et souvent c'est parce qu'on n'a pas envie de se renseigner, on n'a pas envie de se fatiguer, eh bien on fait avec un tout petit quelque chose. Par exemple, on va prendre le thème natal, on va dire le thème natal va nous servir pour comprendre ce qui va arriver dans la vie de la personne. Bon, ça c'est inacceptable. Le thème natal, c'est le thème natal, ça nous renseigne sur ce qui s'est passé au moment de la naissance, et c'est tout. Ça ne nous renseigne pas sur la vie de la personne. Maintenant, il y a des gens comme Luc Mariani, comme Roger Equier, qui font des directions à partir du thème natal. Bon, moi je trouve ça un petit peu loufoque, personnellement, hein. Le vrai processus, c'est de suivre le cours des... Par exemple, au niveau de l'astrologie, c'est de suivre le vrai processus des astres, et non pas de faire avancer dans le thème natal les astres selon un processus qui n'a rien à voir avec la réalité astronomique. Malheureusement, Rudyard lui-même était victime de ce genre de procédé, c'est regrettable. Il a entraîné, alors qu'il aurait pu arrêter ce processus, il a entraîné des gens à continuer à faire les directions à partir du thème de naissance, selon des phénomènes de correspondance, d'un jour égal à un an, en fait, hein, qui n'ont aucune valeur scientifique. Bon, alors ça, c'est quand même regrettable, c'est dommage. En revanche, Jean-Pierre Nicolas, lui, il a complètement arrêté tout cela. Et Barbeau aussi, d'une certaine manière. Donc l'école française d'astrologie, elle avait plus ou moins laissé de côté cela, à part le cas Gouchon, qui lui était resté attaché aux directions primaires, mais finalement, ce goût des directions a été relancé en France, avec les travaux de Rudyard et de Ruperti dans les années 70, etc. Et ça, c'est une régression, qui a été d'ailleurs alimentée aussi par le fait qu'on a des informatiques, on a des ordinateurs, et que ça permet de faire des tas de calculs très très alambiqués, sans se fatiguer. Alors qu'avant, bon, mais les gens disaient, oh, bon, je ne veux pas faire les directions parce que c'est trop compliqué. Bon, mais ce n'est pas une raison. Bon. C'est la même façon que la combinatoire de toutes sortes de facteurs. L'autre jour, quelqu'un
Une Vénézuélienne, je l'ai interviewée, elle me dit: ah oui, pour moi, la recherche, c'est se demander si on va placer Eris ou Cérès dans tel et tel signe, dans le système des domiciles des planètes, etc. Ça, c'est la recherche. Hein, on va prendre des planètes qui n'existaient absolument pas, qu'on ne connaissait absolument, enfin, qui existaient évidemment, mais qu'on ne connaissait absolument pas il y a encore 200 ans et même moins. Et puis voilà, on va travailler avec ça. Bon. Et parce que maintenant, avec l'informatique, on a une pléthore, on a une inflation de données. Là. Parce que c'est ça, le paradoxe, c'est que... Alors, dans le cas d'astrologie, c'est un peu stupéfiant, mais on a une telle expansion des informations, des entrecroisements, des aspects, des ceci, des cycles qui se recoupent, qui se superposent, etc., que finalement, c'est presque beaucoup plus compliqué que la réalité. On va dire, ça devient complètement fou à ce moment-là. Donc, pour terminer, il faut faire son autocritique et considérer que ce n'est qu'un pis-aller, cette façon de procéder n'est qu'un pis-aller, et que le mieux, c'est encore quand même de se renseigner, de collecter les informations, d'aller voir, d'aller demander, et non pas d'aller chercher dans le subconscient ou chez les guides... la solution, la vérité. Et d'ailleurs, entre parenthèses, la plupart des gens, ils font comme ça. Hein? C'est une population marginale qui n'est pas capable apparemment de vivre normalement ses relations avec autrui.